C'est moins impressionnant quand on les explose. Mais pourquoi les insectes ne sont pas énormes? Ah! Et pourquoi parfois les gens appellent leur compagne ou leur fille ma puce? C'est ignoble, putain, une puce animante parasite qui vous bouffe le sang, ça transmet des maladies, et puis surtout, ça a cette gueule quand même. Oh, quelle horreur! Bonjour à tous et bienvenue dans Mais Pourquoi, l'émission qui aujourd'hui se base sur le commentaire de... Golden Windows, avec cette surprenante question, mais pourquoi les insectes sont-ils petits? Ne peuvent-ils pas être géants? Casino, elle n'est pas bien ma blague. Non, elle est à chier. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, petite pause, car je me dois de préciser que je vais pas mal généraliser dans cette vidéo, notamment en parlant d'insectes pour qualifier en fait la plupart des arthropodes, ce qui inclut donc insectes, arachnides, myriapodes, etc, etc. Voilà, je vous le dis pour éviter ce type de commentaires. L'araignée n'est pas un insecte. Je sais, ok, mais j'allais pas appeler cette vidéo, mais pourquoi les arthropodes ne sont pas géants? Parce que, sérieux, personne n'utilise ce terme quotidiennement. Ouais, mais toi, ta gueule aussi. Bon, pour commencer, à l'étonnante question de cette vidéo, certains d'entre vous seraient probablement tentés de répondre... On s'en branle. Pourtant, elle est intéressante, cette question, car oui, la plupart des insectes ne sont pas immenses. Certains sont balèzes, mais vous ne trouverez jamais dans la nature... Une tarentule de 30 mètres de haut. Et pourquoi pas? Après tout, car chez nous, les mammifères, la taille varie énormément. Il y a donc de tout petits comme de très gros mammifères, pareil chez les oiseaux, tout comme chez les reptiles. Mais quand il est question de nos amis les insectes, la taille reste relativement petite. Et d'ailleurs, on ne s'en plaint pas, hein, car en effet, il y a quelque chose chez ces créatures à la constitution si différente de la nôtre qui fait qu'on ne peut pas s'empêcher en les voyant de pousser un... Alors même si ce n'est pas le cas de tout le monde, nombreux sont ceux qui ont cette réaction. Moi-même, ces créatures figurent parmi les choses qui me répugnent. Avec les mignons, les produits dérivés des mignons, et donc enfin, les insectes. Sauf qu'au moins, eux, je les respecte. Cette phobie de ces créatures est d'ailleurs souvent exploitée dans la culture populaire pour donner naissance à des scènes bien dégueulasses, comme ici dans Indiana Jones 2. Putain, ne mets pas ta main là! Ce serait donc, en tout cas pour beaucoup de monde, un véritable cauchemar de vivre dans un monde où ces créatures puissent atteindre des tailles colossales. Oh, quelle horreur! Et voilà le travail. Un cauchemar que de nombreuses personnes n'hésitent pas à exploiter pour attirer votre curiosité, que ce soit dans les miniatures putaclic de YouTube ou dans des œuvres cinématographiques, comme évidemment toute cette flopée de films de série B des années 50-60, mais aussi les œuvres plus célèbres telles que Le Seigneur des Anneaux. Lâche-le, sale pute. Ou bien Harry Potter avec Aragorn. Et alors, est-ce possible qu'ils atteignent de telles tailles ou est-ce réservé à la fiction? Eh bien, à cette question, la réponse est... Oui! Enfin, non! Peut-être, un peu. Mais tout cela est d'une logique. Bon, ok, je vais m'expliquer. Car oui, si c'est possible, pourquoi n'est-ce pas le cas? Eh bien, il y a plusieurs éléments dans leur anatomie qui posent problème. Le principal étant leur système respiratoire. Car voyez-vous, quand on est vivant, il nous faut de l'air. Sinon, on meurt. Sans déconner. Pour envoyer donc de l'oxygène dans notre corps, nous autres mammifères, nous avons des poumons. C'est super pratique ça, les poumons. Car ça nous permet d'inspirer de l'oxygène qui va ensuite être délivré partout dans notre corps via notre système sanguin grâce à nos putains de globules. Habile. Mais ces braves insectes, eux, ont un système très différent, qu'on va qualifier de foireux. Puisqu'en effet, ces derniers n'ont pas de poumons, pas plus que de globules rouges d'ailleurs. Ce qui explique au passage la couleur de leur sang, qui est généralement jaune ou vert. Ouais, voilà cette couleur qui est due au fait que leur sang, que l'on appelle hémolymphe, ne sert surtout qu'à délivrer les nutriments dans le corps, pas l'oxygène. Mais alors, bon dieu de merde, comment ils respirent s'ils n'ont ni globules rouges, ni poumons, ni timba? Eh bien, par de tout petits trous disposés un peu partout sur leur corps, que l'on appelle stigmates, par lesquels l'oxygène pénètre directement pour alimenter leurs organes. Le problème avec ce système de branleur, c'est que du coup, l'oxygène met un temps fou à alimenter tout le corps. Donc, s'ils étaient énormes, ils mourraient asphyxiés avant même d'avoir eu le temps de s'alimenter en oxygène. Elle est morte ? Heureusement, et parce qu'ils sont petits, l'air peut plus facilement atteindre tous leurs organes, leur permettant ainsi, de vivre. Youpi ! Par conséquent, le seul moyen qui leur permettrait vraiment de gagner en taille serait en fait qu'il y ait beaucoup plus d'air autour d'eux, puisque forcément, vous l'aurez compris, leur anatomie est dépendante du taux d'oxygène dans l'atmosphère.
C'est pour ça que des insectes énormes, ce n'est pas totalement de la science-fiction. Et d'ailleurs, il y en a déjà eu. Vous soyez pas un peu en train de me prendre pour un con des fois? Mais pas du tout, car il y a 300 millions d'années, c'était l'époque du Carbonifère. Quelle période que j'aime bien, j'en parlais d'ailleurs déjà dans une autre vidéo. Cliquez, bande de salopes! À cette période, donc, le taux d'oxygène était bien plus élevé qu'aujourd'hui. Et ce, grâce aux énormes forêts qui recouvraient la planète. Pour vous donner une idée grossière de ce à quoi cette période pouvait ressembler, vous n'avez qu'à penser à l'endroit craignos dans lequel atterrit Luke dans l'Empire contre-attaque. Mais Empire! LOL. Parce qu'au moins là où se retrouve Luke, il y a Yoda. Et surtout, chez Yoda, on ne trouve pas des libellules de 30 cm de long. Oh mon dieu! Et pas non plus des scorpions géants de plus de 1 mètre. Pas plus que des 1000 pattes pouvant atteindre jusqu'à 3 mètres de long. Oh mon dieu! Évidemment, avec le temps, l'oxygène s'est raréfié, mais ces grosses bestioles ont bel et bien existé. Il a un sacré courage ce type. Bref, vous l'aurez donc compris, pour voir des insectes géants, tout ce qui est relié à des expériences bizarres ou autres catastrophes nucléaires, eh bien c'est de belles conneries. Et non, il n'y a que les cons comme Homer Simpson qui pensent que... Grâce aux radiations, tout devient vachement grand, vachement vite. Car non, en réalité, il faudrait simplement bien plus d'oxygène. Mais si vous avez du mal avec ces créatures, rassurez-vous, car vu la situation actuelle, plus d'oxygène, c'est pas près d'arriver. Merde. Du coup, les œuvres les plus plausibles en termes de scénario avec de grosses bestioles, eh bien c'est finalement celles qui se déroulent sur d'autres planètes comme Starship Troopers. Car on peut très bien imaginer que là-bas, les conditions environnementales sont favorables au développement de ce type de forme de vie. Et ce, notamment grâce à une atmosphère immensément riche en oxygène, même si on dirait pas comme ça. En plus de ça, il est quand même sympa ce film. C'est vrai que dedans, il y a Dennis Richards, Barney Stinson, mais aussi Hank ou encore Jean-Pierre Bacri. Bon, il est où ce con de chien là maintenant? Yam yam, Didier! Bon allez, on va arrêter les conneries. En plus de ça, cette vidéo qui touche à sa fin m'a donné faim. Alors je vais aller me taper un bon sandwich en regardant Starship Troopers. Allez, du coup je vous dis à la prochaine et... Bon appétit bien sûr. What?